Hello! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je crée mon premier avion. Largement inspiré d'un Spitfire, je décide de l'appeler le Spit G01. Alors j'ai mis plusieurs heures à créer un plan, en essayant de penser un petit peu à un avion facile à construire, très léger puisqu'il devrait faire aux alentours de 200 grammes terminé, une aile qui puisse se démonter du fuselage avec un système très facile à installer, tout ça construit en éperon de 6 mm, de la colle cyano, un petit peu de colle chaude, et ce petit avion fera à peu près 80 cm d'envergure. Et à la fin de cette vidéo, je ferai un rapide calcul du coût de la fabrication de cet avion-là. Et si t'as envie de télécharger ce plan et soutenir par la même occasion la chaîne, et ben je te mets le lien dans la description. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai préparé mon plan, il sera imprimé sur 10 feuilles au format A4. Et donc toutes les parties en gris seront des découpes à jeter à la poubelle. Donc il y aura à chaque fois deux pièces de chaque. Et ça, ça me servira juste de guide. Ici on a notre aile, et ici on aura notre bloc en éperon qui sera collé à l'aile. Et donc toute l'aile pourra s'enlever du fuselage. Et laissera place ici à l'électronique. Je vais déjà découper le fuselage dans du éperon de 6 mm. J'en ai découpé deux de chaque. Et ensuite, je vais coller tout ça avec de la cyano. Donc j'ai même trouvé ça en supermarché, 5 € les 6. Voilà donc, ce bout qui est en gris, poubelle. Mais d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de noter certaines coupes sur mon plan dans Photoshop. Donc évidemment, je vais faire les modifs ici et je vais faire les modifs sur le plan pour que vous ayez directement la bonne version. Voilà donc, vos pièces définitives ressembleront plutôt à celle-là. La 1 est entière avec l'empennage, la 2 est l'empennage coupé et la 3 a carrément toute la queue coupée au niveau de la verrière. Je colle ma partie 3 sur ma partie 2. Donc cette partie qui vient là, mon talon, il vient embuter du talon numéro 3. Et enfin, notre partie numéro 1. Voilà, me reste plus qu'à coller mes pièces une sur l'ensemble de mes pièces. Voilà donc mon fuselage pour l'instant fait 51 grammes.
Ensuite, je découpe mon aile dans du d'éperon de 6 mm. Donc cette aile là sera l'extra dos et je laisse un tout petit peu plus long ici pour pouvoir, une fois replaqué, qu'on pourra réajuster correctement. Donc je prends un peu de marge. Mon intrado, mon extrado légèrement plus grand pour pouvoir l'ajuster. Voilà ma profondeur. Et ça, x2. Donc là déjà, pour tout le fuselage, j'ai passé un petit tube de colle de 3 grammes. Ensuite, je vais biseauter ma profondeur à 45 degrés. Un petit bout de scotch armé pour les charnières. Voilà, j'ai également renforcé avec des petits points de colle chaude quand même à certains endroits qui me paraissaient vraiment fragiles comme ici. Ensuite, je vais donner un tout petit dièdre à mon aile. Donc là, pour le coup, le dièdre, je le fais à l'œil. Mais si vous voulez être précis, il faut être entre 4 et 7 degrés à peu près d'inclinaison. Voilà, et ensuite je vais simplement revenir plaquer mon extrado par-dessus. Alors par contre, la fixation de l'extrado, je vais quand même utiliser de la colle chaude parce que ce que j'aime bien, c'est que ça rigidifie vraiment l'aile. Donc là, je vais même pas mettre de plaque carbone ni rien. Pour cette envergure-là, ce sera vraiment assez solide. Et je vais même renforcer mon bord d'attaque avec du scotch armé. Pareil pour la deuxième.
Pour finir un petit peu mieux mon fuselage, je vais juste venir y plaquer quelques morceaux de d'éperon de 3 mm. Voilà, mon aile, une fois terminée, fait 64 grammes. Et avec le fuselage, on est à 125 grammes. Il ne me reste plus qu'à coller mon talon à mon aile. Voilà un petit peu pour cette construction, en tout cas elle est ultra simple à réaliser. L'appareil pour l'instant fait 80 cm d'envergure et 125 grammes, donc c'est vraiment pile poil ce que j'imaginais. Il devrait faire aux alentours de 200 grammes avec toute l'électronique installée. Un petit système de fixation d'ailes ultra simple. Pour cet avion, j'aurais utilisé seulement 2 flacons, soit 6 grammes de cyano et quelques points de colle chaude à droite à gauche, histoire de rigidifier l'ensemble. Alors maintenant, je vais en revenir au prix de fabrication de cet avion. Il vous faudra déjà 2 feuilles de d'éperon. Pour ma part, j'achète ces feuilles chez Casto, mais vous pouvez les trouver chez Leroy Merlin et je pense dans n'importe quelle enseigne de bricolage. En moyenne, le paquet de 8 feuilles est vendu 17 euros. Donc là, j'ai utilisé 2 feuilles, on va compter 4,25 euros à peu près de d'éperon. La cyano, acheté en supermarché, 5 euros les 6 flacons et j'en ai utilisé que 2, soit 1,66 euros de colle. Ensuite, j'ai utilisé un tout petit peu de colle chaude pour rigidifier mes ailes et renforcer 2-3 points de l'appareil. Donc là, je vais faire à la louche, hein, mais grosso modo, les 12 bâtonnets coûtent 1 euro. Du scotch, alors moi j'utilise du scotch armé. Mais après, tu peux utiliser un scotch transparent, par exemple de déménagement, qui est bien plus fin, mais qui marchera très bien, il sera même plus léger. Donc là, c'est difficile à estimer, mais on va dire 1 euro de scotch. Et enfin, pour ma fixation d'aile, j'ai utilisé une simple baguette de bois. Donc là, en l'occurrence, c'est des baguettes chinoises. Donc ça, c'est gratuit. Le total nous donne 7,21 €. Et là, encore une fois, on va arrondir à 8 euros. Ce sera le chiffre que je vais retenir pour le coût de fabrication de cet avion-là. Alors évidemment, ces 8 euros, c'est que le coût de l'avion. Il va falloir ajouter toute l'électronique. Et alors là, ça va être un autre débat parce qu'on pourra ajouter du matériel très cheap, donc très peu cher, ou au contraire, utiliser du matériel de bonne qualité. Et là, les prix vont vraiment s'envoler. Moi, tu l'auras remarqué sur la chaîne, j'utilise vraiment du matériel cheap, vraiment du matériel premier prix pour que ce soit accessible à tout le monde. On est vraiment plus dans un esprit de bricolage. Bref, ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'est juste le coût de fabrication de cet avion-là qui est de 8 euros. Dans la prochaine vidéo, je fais une petite déco, j'installe toute l'électronique et un test en vol. Si t'as envie de télécharger le plan, je te le mets dans la description. Pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire et on se dit à plus. Ciao !